flying and powdering. Okay, Houston, I'm on the port. He's got 9 steps to go before he puts... Hey, Houston, we've had a problem here. Columbia, this is Houston. I'm on the port. He's got 9 steps to go before he puts... Hey, Houston, we've had a problem here. Columbia, this is Houston. Yeah.
Alors moi, j'ai toujours rêvé, quand j'étais jeune, de pouvoir faire des choses que je ne pouvais pas me permettre, eu égard à ma condition sociale. Donc, dès que j'ai pu, moi, mettre le pied dans tout ça, mon objectif, ça a été de dire, eh bien, essayons de créer quelque chose qui soit accessible à un maximum de jeunes, en les faisant débourser le moins possible. C'est ça qui m'a motivé, il m'a fait démarrer. Il ne faut pas que les gens qui participent à un raid comme celui-ci, le raid de l'amitié, rentrent chez eux en disant « Oh, j'étais club med !» Mais non, pas du tout. Il faut qu'ils en parlent, il faut qu'à un moment, ils souffrent un peu, même dans leur fatigue, même psychologiquement. Il y a des gens qu'on va ramasser, qui sont à moitié épuisés, mais quand ils rentrent chez eux, le papa, la maman, la fiancée, la secrétaire, ce sont presque des héros, ils ont raison. C'est ce qui fait les souvenirs. C'est ce qui fait les souvenirs et ce qui fait que ces gens-là ont vécu quelque chose de très important et ils sont fiers de l'avoir réussi, contrairement à des raids aventures que je ne critique pas, mais qui n'ont rien à voir avec le raid de l'amitié. Nous, c'est un raid passion, difficile, où il faut des conditions physiques, des motos, des 4x4, pas préparées particulièrement, mais il faut la gestion des hommes et des machines, il faut la tête et les jambes. Les ingrédients indispensables à la réussite, c'est d'abord la volonté du patron, il faut un patron. Et puis après, les capacités du patron à s'entourer de gens compétents, car nous ne sommes que des bénévoles. Et Dieu sait que les bénévolats, c'est quelque chose de difficile à gérer. Ben, les ingrédients, c'est la volonté, la capacité de réunir et de faire passer sa passion aux autres, de savoir communiquer sa passion pour que ces ingrédients prennent et puis que ça fasse quelque chose de solide. He's got 9 steps to go before he puts... Hey, Houston, we've had a problem here. Columbia, this is Houston. We'll be right back.
What you say? What did she say? What did she say?
because you did what you said.